Good morning, allez, Yiden. L'étude sera aujourd'hui. Le Nishmat, Rivka, Batra, Rachel, Rachel, Batra, Rav Yosef, Ben Masimcha, Peggy, Bat Esther, Moshe, Ben Sultana, Moshe, Michel, Ben Machlou, Zohara, Rosette, Bat Sultana. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions. Baba, Batra, Perikud, Mishnah, Vav. Mi, Shenim, Chak, Shtar, Chovo, Meidin, Alavedim, Ubalif, Nebet, Din, Vosin, Lokium. Ish ploni ben ploni, nimchak shtaro beyom ploni, ou ploni ou ploni edav. Deuxième sujet, mi shepara miktsat chovo, Rabbi Yehuda omer, yachlif, Rabbi Yossi omer, yichtov shovar. Amar Rabbi Yehuda, nimtsa ze tzarich liyot shomer shovaro min ha'achbarim. Amar lo Rabbi Yossi, kach yafe lo, velo yora kocho shel ze. Première partie de la Mishnah, d'abord, avant de lire traduire, on va expliquer un petit peu le principe. Comment ça se passait à l'époque lorsqu'on avait des dettes? Même aujourd'hui d'ailleurs. On peut fonctionner de cette manière. Vous m'empruntez, vous avez besoin d'un gros prêt. Ouais, 10 000 shekels, 100 000 shekels. J'ai un gmar, j'ai un intérêt. Pourquoi je vais le faire? Peu importe. Intérêt permis, bien sûr. Donc, je vais vous prêter une grosse somme. Il n'y avait pas les banques à l'époque, ouais, vous imaginez bien. Donc, je vais vous prêter maintenant une grosse somme de 10 000 shekels. Maintenant, je vais bien sûr demander des garants et tout ça, mais... Concrètement, quelle preuve je vais avoir pour, contre vous? Avoir des témoins, c'est pas tellement pratique, parce que si les témoins, on les trouve pas quand on en a besoin, ils sont partis à l'étranger, ils sont décédés, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la solution, elle est d'écrire un contrat. On l'a déjà évoqué, on est dans le Perek Get Pashut. Depuis le début du Perek Get Pashut, on ne fait que de parler des contrats. Alors, vous allez m'écrire une reconnaissance de dette, un contrat, dans lequel vous y a écrit que vous m'envoyez 10 000 shekels, et on va faire signer Reuven et Shimon. D'accord? Vous allez me le donner, et vous imaginez bien comment je vais préserver précieusement ce contrat. La date, l'échéance, elle est prévue pour dans 5 ans, par exemple. Et donc, je vais le garder très, très précieusement. Ce qui se passe, c'est que... pour ensuite, si toutefois il y a un problème, vous n'êtes pas là quand j'ai besoin de me faire rembourser, ou peu importe, vous commencez à contester, vous ne vous souvenez pas de la dette, ça c'est une autre solution. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais ensuite... Comment je fais pour valider que vous... Peut-être que vous allez prétendre que les témoins sont des fausses signatures. Comment je vais pouvoir prouver qu'il est bon? Il y a plusieurs halakhot. Je vais l'amener au Bet Din. C'est détaillé dans Ktuvot surtout. Je vais l'amener au Bet Din et le Bet Din va me faire le henpek. Il va faire une certification vraie, un contrat d'authenticité. Comment... Qu'est-ce qu'il va faire exactement? On va voir ici Reuven et Shimon qui sont signés. Soit on va appeler Reuven et Shimon, on va leur dire « Vous reconnaissez cette signature ?» Ils n'auront même pas besoin de se souvenir de la dette. Uniquement le fait de reconnaître leur signature, ça suffit pour valider. Ou encore, si Reuven et Shimon ne sont pas là, on va pouvoir amener encore d'autres personnes qui reconnaissent les signatures de Reuven et Shimon. Deux connaissances de Reuven et Shimon qui vont dire « Ah, bien sûr, je connais leur signature. » Deux témoins pour chaque signature, d'accord? Et comme ça, on va faire le « Kiyum Ashtar ». On va le certifier authentique. Une fois que le Bet Din a tranché que le contrat est authentique, alors ensuite le Bet Din va m'écrire une sorte de reçu du Bet Din, ce qu'on appelle le henpek. Ils vont m'écrire tel contrat a été, peut-être qu'ils vont même l'écrire sur le même contrat, je suppose, le henpek, je crois qu'on l'écrivait, c'est explicite dans Bava Metzia. On écrit le henpek sur le contrat lui-même, en disant, nous le Bet Din, même dans Perget Pashut, c'est ici rapporté. Nous, le Bet Din, nous avons vu ce contrat-là et nous avons tranché qu'il était certifié conforme. Et depuis, et à partir de ce moment-là, celui qui détient le shtar peut même partir à l'étranger dès qu'ils vont reconnaître la signature du Bet Din. Donc, je vais pouvoir retirer de l'argent grâce à ce contrat sans aucun problème. D'accord? Ça, c'était le côté historique. Maintenant, notre Mishnah va nous parler d'un cas un petit peu particulier, embêtant. Mishenimchak shtar chovo. Celui qui a un contrat qui a été nimchak, effacé. Il a commencé à s'effacer, il a eu de l'eau qui lui est tombée dessus. Il est même maintenant illisible. Mais quoi? J'ai quand même deux amis, deux témoins qui ont vu ce contrat, mais pas qui ont vu uniquement, qui l'ont vu et qui ont reconnu les signatures de Reuven et de Shimon. Ils ont vu qu'elles étaient authentiques. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au Bet Din ensemble. Mais Edin Alav Edin, je dresse des témoins dessus. C'est-à-dire, je vais trouver des témoins qui ont vu ce contrat signé. Et ces témoins vont ensuite ou Balifne Bet Din. Et on va aller ensemble au Bet Din, au tribunal. Veosin Lokium.
et le Beth Din va, sans voir le contrat, se fonder sur les paroles des témoins pour délivrer un certificat d'authenticité sur ce contrat. Et ils vont écrire comme ça. Ish ploni ben ploni, tel fils d'un tel. Donc moi, Aridan, fils de mon père, Nimchak shtar chovo. Ils vont écrire comme ça sur l'NPEC, en disant que son contrat s'est fait effacer, il y a eu de l'eau qui lui est tombée dessus. Mais malgré tout, ou ploni et dav. Et ces deux personnes-là, on n'avait pas le droit de Shimon, donc maintenant on va parler de Lévi et Yehuda, sont venus et ont témoigné que les signatures qui étaient dedans étaient bien authentiques. Ils vont même préciser qu'il y avait dedans le contrat qui engageait à telle date d'être... D'accord, le contrat qui était daté de telle date, pour que je puisse ensuite partir prendre des biens, saisir des biens qui ont peut-être été vendus entre-temps. Et comme ça, ils ont délivré le NPEC. D'accord ? Mishnah très simple. On continue. Deuxième partie, avec une autre situation encore, des contrats. Mishepara miktsat chovo. Celui qui a remboursé une partie de sa dette, partiellement sa dette. La date d'échéance est venue. Donc j'avais, vous me devez 10 000, la date d'échéance est arrivée. Vous débarquez timidement, vous me demandez, vous me dites désolé, vous n'avez pu m'apporter que 5 000, mais il n'y a pas de problème, dans deux semaines vous me menez la suite. Donc pendant ce temps, j'ai déjà encaissé les 5 000, j'ai pas envie de vous les laisser. La date elle est arrivée, si je vous les laisse, vous allez les dépenser, je vais les récupérer. La question elle est, qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs solutions. Quoi qu'il arrive, il faut écrire un reçu, sinon, pour le moment, je garde mon contrat que vous me devez 10 000 dedans. Donc vous n'avez pas intérêt à me donner les 5 000 et à partir. Il faut absolument se débrouiller un reçu. Maintenant, la Mishnah va nous proposer deux solutions. Je pense qu'on va d'abord lire, traduire, et après expliquer la problématique qu'il y a. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est la problématique de la Mishnah. Vous allez me dire, on n'a qu'à écrire, qu'on a déjà remboursé, vous allez voir que c'est pas évident. Rabbi Yehuda Omer, Yachlif. Rabbi Yehuda, lui, a une solution qui propose Yachlif. Il change. Soit, dans ce contrat, il y avait écrit que vous me devez 10 000, on va rédiger un nouveau contrat, comme quoi vous me devez 5 000, que vous allez rembourser, vous m'avez dit deux semaines, alors dans deux semaines, vous allez me le rembourser. Ça, c'est selon l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Ichtov Shovar. Selon Rabbi Yossi, il faudra écrire un Shovar, un reçu. Soit je garde mon contrat de 10 000, mais je prends un autre papier que je vais faire signer en disant dessus, j'ai déjà reçu 5 000 shekels à telle date et vous êtes engagé à payer les 5 000 supplémentaires d'ici deux semaines par exemple. En tout cas, je vous écris un reçu comme quoi j'ai reçu les 5 000. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais détenir un contrat comme quoi vous me devez 10 000 shekels. L'un va me dire, supprime ce contrat et donne-moi un autre contrat. L'autre va dire, non, garde ce contrat et délivre-lui un reçu. Et c'est sur ça que chacun va avancer, va s'expliquer. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, donc celui qui a dit qu'il faudra changer le contrat. Pourquoi il n'est pas d'accord, Rabbi Yehuda, sur le fait que je lui écrive un reçu? Pourquoi? Nimtza ze tzarich liot shomer shovaro min achbarim. Tu me dis que moi je détenais le contrat 10 000. Toi, Rabbi aussi, tu proposes que je vous délivre un reçu. Vous vous rendez compte que ce qu'il va falloir faire avec ce reçu maintenant? Vous allez devoir le préserver des souris, des rats. Soit vous allez le garder chez vous. Vous allez devoir sans arrêt vous soucier qu'il ne soit pas dans un endroit où il y a de l'humidité. De manière un peu comme ça, il a dit qu'on parlait de rats, mais le principe c'est le même, il va prendre l'humidité, il va s'abîmer, vous allez devoir le garder précieusement, qu'il ne va pas disparaître, que les enfants ne vont pas le toucher, ou que les rats ne vont pas venir le ronger. C'est une folie à garder un contrat, on n'a pas envie de garder des contrats. Il faut faire très attention, vous comprenez bien la problématique. Quelqu'un qui a des contrats, il garde ça aussi précieusement, ou même plus précieusement même que son propre argent. D'accord? Grâce à ça, je vais pouvoir réclamer mes 10 000, si ce contrat-là je le perds, je vais perdre les 10 000. Idem, lorsque j'écris un reçu, l'emprunteur, si on lui demande maintenant de garder ce contrat de 5 000, ça va être un cassement de tête. Partout où il va aller, il va devoir réfléchir où il va le mettre, où il va pouvoir le cacher, que personne ne puisse le toucher, que personne ne puisse l'abîmer, le prendre, qu'il disparaisse. Sinon, je vais débarquer et reprendre une deuxième fois tous les 10 000, pas que 5 000. Donc, Rabbi Yehuda, il s'explique ainsi pour dire pourquoi il n'est pas d'accord sur la solution d'écrire un reçu. Mais plutôt, donc il propose quoi à Yehuda? Puisque de toute façon, moi, j'avais déjà un contrat dans les mains. Alors que ça peut faire si dans son contrat, au lieu d'avoir 10 000, on va mettre 5 000, on va changer de contrat, le détruire, celui-ci, le déchirer, et écrire un nouveau de 5 000. D'accord? Telle est l'avis de Yehuda. Je suppose que déjà, vous devez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas directement sur le contrat? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure,
on va finir la Mishnah, et puis après on va expliquer la problématique. Nimzaze tzerech liyot shomer shovaro mina achbarim. Donc c'est la vie de Rabbi Yehuda. Amar lo Rabbi Yossi, Rabbi Yossi lui a rétorqué, kach yafelo, c'est très bien comme ça, velo yora kocho shelze, et on va pas lui, yora kocho, on va pas le désavantager de celui-ci. Soit Rabbi Yossi vient et affirme une phrase très floue qui va être expliquée par le Bartonora, que tout le monde va discuter sur ça. Le Bartonora, il a pris ça du Birush HaMishnah du Rambam. Je l'explique tel que Bartonora, il a dit pour le moment. Il nous a dit, c'est très bien comme ça. Et en plus de ça, il n'était pas question de faire autrement. C'est les deux éléments de réponse. Soit, c'est très bien comme ça que lui va être stressé, comment est-ce qu'il va faire pour garder son contrat. Comme ça, au moins, quand il m'a dit qu'il allait prendre 2 semaines pour venir me payer la suite, au moins, je suis sûr qu'il ne va pas traîner plus longtemps parce qu'il va être pressé de récupérer ce shtar de 10 000. Il ne va pas rester dans cette situation où je détiens un shtar de 10 000 et lui, il a un reçu de 5 000. Peut-être qu'il va perdre le reçu et que je vais lui reprendre les 10 000. Maintenant, j'ai un moyen de le stresser, de le stimuler à payer, à venir rembourser plus vite. Donc Rabbi Yossi nous répond, c'est très bien comme ça, car qui a fait l'eau, c'est très bien comme ça. Et en plus de ça, sache que toi, Rabbi Yehuda, qui propose de changer le contrat, je ne suis pas d'accord. Parce que si tu vas lui changer le contrat, nimsa she hura kocho shel ze, tu me désavantages quand tu me demandes de donner ce contrat, de prendre un autre contrat. Pourquoi ? Le Bartanoa l'explique, selon Rambam, avec quelque chose de complexe. Parce que ça va... On explique ensuite quel est le problème de ça. Mais en tout cas, il nous dit comme ça. Si on va prendre ce contrat, et je vais vous le rendre, vous allez me donner un autre contrat, on va avoir un problème de date. Moi, la dette, je vous ai dit, je l'ai donnée il y a 5 ans en arrière, en Tash'ab, 5772. Maintenant, on est en 5777, et vous venez le rembourser. D'accord ? Vous venez le rembourser. Maintenant, si toutefois vous commencez à me faire des entourloupes dans 2 semaines, moi, je vais entamer la procédure de saisie, je vais aller voir le Beit Din, ça va prendre certes 90 jours, ça va être un petit cassement de tête, on va devoir se battre et tout ça, mais au bout du compte, j'aurai gain de cause, je vais récupérer vos biens qui étaient hypothéqués, engagés pour cette dette. Soit, si il y a 2 ans, vous avez vendu votre maison à votre voisin, moi je vais aller voir votre voisin, je vais dire, tu me donnes la maison parce qu'il avait une dette avant moi qui ne m'a pas remboursé. Il est parti à l'étranger, il a disparu de la circulation, et donc maintenant, tu me donnes la maison, c'est la mienne. Ça, c'est qu'on avait le premier contrat. Mais quand vous allez me déchirer ce contrat pour me donner un deuxième contrat, question, à quelle date allez-vous le dater ? Selon Rabbi Yossi, et il est là le problème, en tout cas, selon Rabbi Yossi, il est évident que vous ne pourrez pas dater le contrat selon la première date. Vous allez devoir écrire le contrat selon aujourd'hui, le jour où on va écrire le nouveau contrat. Soit, d'une certaine manière, les 10 000 qu'il y a eu, c'est l'histoire ancienne. Maintenant, vous m'avez remboursé 5 000, on a annulé la première dette, on débute une nouvelle dette de 5 000 que vous devez me rembourser dans 2 semaines. Comme ça, Rabbi Yossi comprend la situation. Donc selon Rabbi Yossi, maintenant, il nous dit, tu désavantages le pauvre créancier quand tu lui imposes de récupérer de changer de contrat, parce que de rédiger un nouveau contrat. Parce que lorsqu'il va rédiger un contrat, il va perdre le shi'boud. Le fait que les biens étaient hypothéqués, il va le perdre, ce droit de pouvoir hypothéquer les biens depuis 5772. Il va être bloqué avec les biens d'aujourd'hui, donc je ne suis pas d'accord. Et Rabbi Yehuda, bah forcément, il va falloir le dire, que selon Rabbi Yehuda, on pourra écrire un contrat prédaté de 5 ans en arrière. Soit, on refait un petit peu d'ordre dans les idées. C'est pas compliqué, il y a juste quelques petits réflexes à avoir. C'est que, tout d'abord, on a la solution la plus simple que sûrement tout le monde a pensé, qu'on a nous-mêmes presque ça crié de soi-même, la tzoek mais élave, je trouve les expressions des bons français, ça fait un petit peu bizarre. Ça crié de soi-même, c'était une réponse qui s'imposait de le dire. Pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas directement sur le contrat? Alors sur ça, la réponse elle est très simple. Le contrat c'est moi qui le détiens. Donc vous me devez 10 000 et puis moi j'ai un contrat contre vous. Si maintenant on va écrire en bas du contrat, si je suis malhonnête, je vais couper toute la partie du bas. Vous allez me dire, ouais, je vais couper la partie du bas, et je vais dire, vous me devez 10 000. Vous allez me dire, ah, mais il y avait quoi ? Il n'y a rien du tout. Le papier, c'est fini comme ça, non ? Il y a eu Baruch Hashem, vous savez, il y a eu un incendie chez moi, et j'ai sauvé ce papier, là. Heureusement, Baruch Hashem, le contrat, il ne s'est pas effacé. J'ai 10 000 réponses à vous donner, pourquoi il n'y a plus le NPEC. Donc, premièrement, c'est exclu complètement d'écrire en dessous. Commencer à écrire au-dessus, c'est compliqué. Pratique, c'est pas pratique. En plus de ça, je risque d'avoir des problèmes que moi-même je ne vais pas vouloir le faire. Imaginez qu'il va y avoir... Ben d'abord, peut-être que je vais pouvoir effacer la ligne proprement.
Et même si vous allez dire, ouais, mais si on voit que le contrat il a été effacé, oh, on va pas s'en sortir. C'est pas une solution technique de pouvoir écrire, on va pas pouvoir écrire au-dessus. D'accord, je serai en droit de dire non, je veux pas, parce que, allez savoir, on va commencer à mettre là-bas une rature, et puis je vais ensuite me retrouver devant un bedine, il va me dire, il va mal lire, il va. Ça me plaît pas comme histoire. Donc maintenant, on n'a plus que deux solutions. Soit je vous écris un reçu, soit on change le contrat. Et maintenant, on a les deux avis. Donc, Rabbi Yehuda qui nous dit, on va pouvoir écrire un contrat prédaté. Alors, on a soulevé le problème, Rabbi aussi, il n'est pas d'accord de faire un contrat prédaté. De manière générale, ça, c'est une chose évidente. Lorsque je vous prête de l'argent aujourd'hui, vous allez m'écrire un contrat, assour d'écrire un contrat prédaté. On n'a pas le droit de prendre des témoins qui vont nous signer sur une dette qui a eu lieu il y a deux semaines en arrière. Parce que là, ils vont signer à tort. C'est du shaker, c'est du mensonge pur. Pourquoi ? Parce que c'est du mensonge qui va causer un tort terrible. Dans la mesure où, maintenant, je vais pouvoir ensuite récupérer de l'argent des créanciers, des acheteurs potentiels de vos biens des deux dernières semaines. Et ce n'était pas juste. De ce fait, on n'écrit pas un contrat prédaté. Selon Rabbi aussi. Selon Rabbi Yehuda pense qu'on peut malgré tout écrire un contrat prédaté dans certaines conditions, dans la mesure où c'est encore la même dette. Comme on a vu où ça ? Au début de la Mishnah, tout simplement. De la même manière que lorsqu'on a le contrat qui a été effacé. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière parce que je ne vous ai pas tout dit en fait. J'ai oublié d'introduire que le Barthénois, il précisait quelque chose d'important. Lorsque mon contrat, je reviens sur la première partie de la Mishnah, lorsque mon contrat s'est effacé, donc j'apporte deux témoins, qu'est-ce qu'on va écrire exactement dans le témoin ? Eh bien, le Beit Din va réécrire tout le contrat qu'il y avait dedans, avec l'essentiel, c'est-à-dire la date initiale, le montant, les personnes concernées, les témoins qui étaient signés, et en plus de ça, le Beit Din va écrire à la fin la fameuse phrase qu'on a vue de « telle personne a été effacée son shtar », genre « sachez que ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ce n'est pas le contrat initial, mais c'est une copie conforme, parce que le contrat a été effacé ». Donc de ce fait, Rabbi Yehuda vient et nous dit justement, à partir de la première partie de la Mishnah, en nous disant « Tu vois bien que ça existe d'écrire un contrat prédaté. Tu ne fais pas des problèmes lorsqu'il y a une nécessité. » Et Rabbi aussi vient sur ça, et Rabbi aussi, alors là, c'est là où ça se complique. Pourquoi Rabbi aussi et les Cholek ? Est-ce qu'il n'est pas d'accord d'un point de vue ilkhati ? Ça va nous poser problème. Pour quelle raison ? Encore quelques petites secondes. Ou est-ce que c'est un problème technique qu'on ne veut pas convoquer une deuxième fois le Beit Din ? C'est un petit cassement de tête. J'ai ouvert le sujet, vous avez qu'à étudier le Barthénora, il y a ici l'Yachin, il y a dans le Melechet Shlomo, il en parle, il rapporte ici. Ouais, ça va un petit peu dans tous les sens, mais en tout cas, selon le Rambam, Rabbi Yossi pense qu'on ne peut pas écrire un contrat prédaté. Le problème va être où ? Le problème, en théorie, j'aurais fait comme si il n'y avait aucun problème, j'aurais raconté la Mishnah selon le Barthénora, j'ai pas de dette envers vous, plus que ça. Mais il y aura un problème ilkhati. On va avoir une contradiction d'un point de vue halakhique. Pourquoi ? Parce que la halakha, on va la fixer comme Rabbi aussi. Soit, je vous impose de recevoir un contrat, un reçu. Et moi, je garde le contrat, comme ça, je gagne doublement. Je vous fais danser, et en plus de ça, vous n'avez pas à me désavantager. On ne sait pas exactement pourquoi, mais en tout cas, tel que c'est écrit. Le problème ilkhati, il est que si on est tous les deux d'accord, bien sûr, j'ai oublié de l'introduire, mais c'est général à toutes les ilkhot de Rosh Mishpat. La plupart des ilkhot qu'on découvre ici, c'est uniquement pour les gens durs, qui se tapent dessus. Pour les gens bien, on n'a pas tellement besoin de Rosh Mishpat. Pour les gens bien, on a besoin d'un bon conseiller, qui est quelqu'un de droit et de juste, et on ira prendre conseil chez le Rav, et ce qu'il nous dira, on fera sans ordre. Toute notre Mishnah ne s'agit que de gens qui se battent au Beit Din, où chacun il veut tirer de son côté, et donc le Dayan il va être obligé, entre les deux, de trancher en faveur de l'un ou en faveur de l'autre. Pourquoi je suis rentré dans ça? Je ne sais même plus pourquoi. En tout cas, Rabbi aussi vient et nous dit maintenant, donc on va avoir un problème ilkhatik. Oui, je suis en train de... Excusez-moi. Il est très tard, il est bientôt 1h30 du matin presque. Selon Rabbi aussi, il y a un problème ilkhatique. Nous, on va avoir un problème ilkhatique par rapport à Rabbi aussi. Je retrouve mes esprits, tout va très bien. Rabbi aussi impose que l'on écrive un shovar, mais malgré tout, si les deux parties sont d'accord à changer le contrat et à le prédater selon la première date, on pourra le faire. Comme ça, c'est rapporté dans la Halakha, dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté ici par le Melechet Shlomo. Soit, en réalité, on n'a pas de problème à ce qu'on écrive un contrat prédaté. Mais malgré tout, je suis en droit de me tenir dur et de vous dire « Non, je veux malgré tout, je veux pas écrire un nouveau contrat, je veux l'écrire un chauvard comme ça et je vais le faire danser un peu plus. » Et donc, ça va faire qu'on va tenir la moitié,
la moitié de la halakha. C'est-à-dire, on va fixer le din comme Rabbi Yossi, mais pas exactement pour les mêmes motivations que Rabbi Yossi. Ça nous pose un certain problème hilchatique, mais bon, ça arrive. On fait à présent le Barthénora. Mishinimchak shtar chovo, celui qui a le contrat qui a été effacé. Veyesh edim sheraou kshenimchak me'atzmo. Et il y a des témoins qui ont vu le contrat lorsqu'il a été effacé, soit un petit peu avant d'être effacé. Oh, ni tachtech, allez des mains, ou encore, c'est pas qu'il a été effacé, c'est qu'il s'est brouillé avec de l'eau. Qu'est-ce qu'on fera? Ma'amid alav edim. On dressera des témoins. Sheyodin et matay nirtav. Qui savent quand ce contrat a été écrit. Uma yakatoufbo, ce qu'il avait écrit dedans. Ven aussi le kiyum. Et ils pourront ensuite ainsi faire le kiyum. Le copie certifié conforme. En disant quoi? Ils feront le kium devant le bedin, vekotvinlo. Et ils écriront dedans, kol ma shea katouf boto ashtar, tout ce qu'il avait écrit dans le contrat. Et en précisant à la fin en lieu que ces deux témoins vont se mettre à signer parce qu'ils ne peuvent pas signer, ils n'ont pas vu la dette, mais ils devront plutôt écrire que tout ce qu'ils ont fait, c'était uniquement une copie conforme d'un autre contrat qui a été effacé. Deuxième partie de la Mishnah, c'était Yachlif. Donc lorsqu'il paye partiellement sa dette, alors on changera le contrat selon Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire Yachlif? Qu'il changera. Yikra otoshtar. Il déchirera son premier contrat. Vertevu lo acher. Et ils écriront un autre à la place. Kefi acheshbon anishar. Selon le montant qui reste. Par contre, Rabbi aussi nous disait qu'il devra plutôt écrire un reçu. Et Rabbi Yehuda revenait à la charge et disait non. Nimtzaze. Tzerich liot shomer shovaro min achbarim. Le bartonnant explique. Nimtzaze. A lové. L'emprunteur. Il devra désormais préserver son contrat des souris. Chez Miovad, parce que s'il va disparaître, il va le contrat, alors Igve Amalvet Kolchovo, le créancier viendra et se fera rembourser de nouveau toute sa dette intégralité. C'est pas juste. Amar Rabbi Yossi Vechan Yafelo, c'est très bien comme ça. L'Amalvet, pour le créancier, Cheyeh Alovet Tzarich Lishmor Shovaro, que l'emprunteur doive ainsi bien conserver son reçu, Veyemer Lifoalo, il se hâtera de rembourser le montant total pour mettre un terme à cette dette qui peut se retourner contre lui. C'est très bien, on réussit à le faire danser. Velo Yera Kocho Shel Malve, et je, à plus forte raison que je n'ai pas envie de désavantager le créancier, Lirtov Shtar Acher, de lui imposer d'écrire un autre contrat. Pourquoi? Shayaz Manchovo Mugdam, parce que dans le premier contrat, le Zmanchovo, la date de la dette, il était Mugdam, il était prédaté, initial. Veyashuv Ata Meuchar, et à présent il va se retrouver être un contrat Meuchar, plus tard. Comme l'exemple que je vous ai dit, 5772 ou 5777. Et il ne pourra désormais partir, prendre des biens hypothéqués qu'à partir de la deuxième date, celui de 5777. La halakha est comme Rabbi Yossi, chez Kotvin Shovar, qu'on lui impose d'écrire un Shovar, mais sur le deuxième point, la halakha sera qu'on pourra malgré tout, s'ils sont tous les deux d'accord, on pourra écrire un Shtar. Prédaté. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de sympa, comme tout ça là.